La tente des glaneurs s'est installée et a ouvert ses portes sous la neige, rue Corneille à Oisem. Les commerçants généreux et solidaires ont tous contribué à cette opération. Le principe est simple, les bénévoles récoltent les invendus de fruits et légumes auprès des commerçants et les distribuent dans la foulée aux personnes en difficulté. Un acte de solidarité en cette période hivernale qui évite le gaspillage et permet également aux personnes de manger à leur faim. Un simple geste de générosité pour réchauffer le cœur des bénéficiaires et briser l'isolement. Écoutez justement la réaction des bénéficiaires. C'est une bonne initiative. Plutôt que de les perdre, de les jeter, ça fait plaisir à des personnes. Ils m'ont dit, viens, tu as besoin de quelque chose. Quand je dis non, c'est bon, merci. Ils m'ont dit, pas de problème. J'ai pris un truc et voilà. On a fait plusieurs fois le marché et des fois on venait ramasser les trucs un peu à l'arrache parce qu'on a un peu une philosophie de pas trop gâcher. Donc je trouve ça sympa qu'il y ait des gens qui prennent ça en main et qui laissent pas pourrir les fruits. Ils m'ont donné des pommes, des oignons, de la salade, un melon, des clémentines. Enfin, on a été bien gâtés et tout ça pour rien du tout. Donc c'est plus qu'avantageux, enfin, c'est super.